Bonjour, c'est Grifox, je vous fais cette petite vidéo très rapide, juste pour vous rappeler que la bêta pour la mise à jour 2.43 vient d'être mise en ligne, et on va en faire très très rapidement le tour, du moins pour les quelques points qui m'intéressent. Alors vous avez toujours la bêta test qui est aux App Village avec l'apparence d'un des nouveaux mobs sur lesquels vous pouvez acheter à peu près tous les petits utilitaires pour rien du tout. Et on a un deuxième PNJ qui s'appelle Paelizael, donc c'est un petit jeu de mots assez sympathique, sur lequel vous pouvez acheter tous les nouveaux items. Donc c'est vraiment pratique. En revanche, pour les acheter, il faut remplir les conditions, donc avoir atteint le niveau 100 dans l'alignement concerné. Mais c'est ça, c'est quand même bien d'avoir tous les items sous les yeux, et puis si vous avez envie d'aller les acheter, voilà, sachez que pour 1 million, vous pouvez vous les procurer ici, une fois que vous avez fait les quêtes qu'il faut. Donc bon, je les représente pas parce que je les avais déjà présentés dans une vidéo il y a pas très longtemps, mais voilà, allez y faire un tour si ça vous intéresse. Moi, de mon côté, ce que j'attendais avec le plus d'impatience, c'était surtout les ornements pour le niveau 100 d'alignement. Et donc c'est pas du tout ici. Hop, on va regarder ça ensemble tout de suite. C'est dans titre et ornements. Ornements, on fait afficher les ornements non possédés. Et là, est-ce que vous êtes prêts? Putain, et il est sérieux lui, c'est vraiment... boum, juste quand il faut pas quoi. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Moi en plus, c'est celui qui est assorti à mes couleurs, donc c'est pour ça que cet ornement, je l'adore. Et là, on va enfin voir donc le cœur vaillant glorieux. Allez, boum! Donc ça a quand même pas mal de gueule, comme vous pouvez le voir. Bon, je trouve que ça fait un petit peu too much, mais à mon avis, vous croisez quelqu'un qui a ça, ça envoie quand même pas mal. Alors, il existe bien sûr dans toutes les autres versions, donc Esprit Salvateur Glorieux et Œil Attentif Glorieux. Donc voilà pour les ornements de niveau 100 Bontariens, et je vais vous montrer également les Vraques Mariens. Pour ceux que ça intéresse, bon, c'est pas mon cas, mais voici le Cœur Saignant Glorieux. Donc là encore, hein, des belles grandes ailes, comme on aime bien. L'esprit malsain glorieux et l'œil putride glorieux. Voilà, donc en fait je me suis connecté sur la bêta juste pour regarder ça, et je me suis dit que ça vous évitera peut-être de télécharger, de vous connecter sur le bêta si vous avez envie de voir. Voilà, comme ça, ça vous y donne accès directement. Sinon, il n'y a pas grand chose de plus à regarder, à part, ah si quand même, on peut le noter, les skins des nouveaux Dofus. Donc voilà, voilà, le turquoise, l'ocre, le pourpre, enfin ils ont tous une nouvelle tête, petit truc sympathique pour la Doki. Bon là j'ai pas tous les deux feux sur moi, mais bon c'est quand même plutôt sympa. Bon ça, je trouve que ça fait un peu plus joué qu'avant, ils ont moins une gueule d'objet imposant, là ça on dirait un petit peu des limites des bonbons, un truc qu'on aurait envie de bouffer quoi. Bon je sais pas si, moi ça me dérange pas vraiment personnellement, c'est le genre de détail qui m'importe peu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc voilà pour les Dofus, et dernière petite chose à regarder ensemble, ça va être la mise en place du donjon d'Ilizael. Et donc comme vous pouvez le voir, quand on arrive à Frigost, Frigost 3, la map a changé, et on a ici le belvédère d'Ilizael, donc nouvelle petite zone qui vient d'être installée, qui est juste à côté de la forge froide de Mrs. Freeze. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'avais juste envie de vous montrer ces quelques petites nouveautés très rapidement. J'espère que ça vous a plu, moi je vais quitter la bêta et je vais aller faire le petit colis du jour que je mettrai en ligne juste après. A très vite tout le monde !